Et bonjour tout le monde, c'est Renardo, bienvenue dans la matinée du renard. C'est-à-dire, moi qui fais un live le matin. Alors, aujourd'hui ça va être du Crusader Kings 3, parce que je me suis dit, pourquoi pas faire des guerres de religion? Voilà. Alors, vous pouvez me juger. Vous pouvez dire, oh là là, Ronaldo, c'était mieux quand même quand c'était avant, quand il faisait des blagues sur le prout, oh là là, prout, ah, non. Alors, juste non. Et le son de la musique est trop fort dans mes oreilles. Ah, peut-être pour ça que je parlais un peu fort. Ah là là. Musique très sympathique qui s'appelle Ariamat C418, Minecraft. Tout le monde connaît, hein. Ah là là, miner des blocs. Toute mon enfance là, de casser des blocs et de casser des blocs. Hein? Attendez. J'ai l'impression d'entendre autre chose. Hein? Mais ne serait-il pas une musique médiévale? Intriguant tout de même. C'est quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. De la musique médiévale? Mais pourquoi? Qu'est-ce que donc? Je ne suis pas du tout en train de meubler pour essayer de régler ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Alors, nous allons faire une chose qui s'apparente à de la folie. Nous allons changer de scène. Oh mon Dieu! Changer de scène? Et pourquoi faites-vous ça, renard? Là, par contre, non. C'est censé être la capture automatique. Ah putain, c'est parce que... Ah, attendez. Hop. Je peux pas faire un CTRL Z. Annuler la modification, voilà. Ça, je le supprime. Oui. Ça, je le supprime. Excusez-moi. Là, je fais plus Game Capture. C'est Game Capture, Game Capture. Capture de jeu, ajouter. Ajouter plutôt une autre source, voilà. Voilà, au cas où. Je vais faire une Écoute, alerte de... ça a l'air de très important. On en parle du son des alertes qui est pas assez fort. Il n'y a pas moyen que je mette... Genre... Il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen d'augmenter. Non, il n'y a pas moyen. Bon, ben c'est pas grave, hein, ce genre de choses arrive. Alors, est-ce qu'on voit bien le jeu? Je sais pas si ça va pas gêner. Alors, on va faire une nouvelle partie, évidemment. Je vais juste prendre un perso random. Je m'en fous, hein. Je sais même pas qui c'est. Je vérifie pour que l'interface soit pas trop obstruée par. Déjà, faudra que je baisse. Ok. Ah oui, l'interface. Oui, non, paf, faut que je me déplace avec ça. Et l'interface risque de gêner un peu parce que c'est là. Et là, il y a plein de trucs qui peuvent être. C'est le portrait de mon personnage, donc c'est pas si important que ça. Mais bon, du coup, hop, je vais dupliquer et je vais l'appeler Stream Crusader Kings. Paf. Tac, Stream Crusader Kings. Stream Crusader Kings. Alors, je vais mettre ça là. Ça et ça. Là, je vais la mettre. En haut là. Tac, ça gêne pas. Tac. Par contre, du coup, je vais le réduire. Parce que tout ce qui a l'air, tout ce qui est en haut de l'écran a l'air plus gros à l'œil alors que c'est à la même taille. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est plus. Plus haut, on dirait que c'est plus grand. Bref, du coup, je vais baisser. Voilà, basiquement. Voilà, tac, hop, pas d'ombre, pas de filtrage, juste les textures si je les mets en haut. Voilà, tac, tac, tac. Ouais, parce que ça, c'est pour quand t'es sur ces écrans-là, mais on s'en fout. Franchement, c'est pour éviter que le jeu il lag vu que je suis en train d'installer en même temps. Bon, par contre, en termes de son, c'est pas ouf.
Je me mets à 80 de mon côté. Bla 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 bla. Ok. Excusez-moi, je fais des tests son. Tout est à fond. Ok. Bon, c'est parti. Alors, tac, nous allons créer un viking. Donc, créer Bernard le viking. Non. Regardez. Nous allons créer Renard. Renard le viking. On va en faire un viking qui va vivre dans des. C'est comment que ça s'appelle ça déjà? C'est quoi déjà le nom de cette. Non. Ça fait partie de la Norvège, mais le duché. Northern Ireland. Ah. Bon, on va faire partie de ces îles petites dans la mer. Voilà. On va être là, sur celle qui est le plus au nord. Voilà. Et notre but, ça va être conquérir la Grande-Bretagne, la Bretagne aussi, possible, la France, peut-être l'Italie. En fait, on va devoir conquérir tout ça. Voilà. C'est possible un petit bout de la Scandinavie, mais je ne sais pas. À moins que je peux commencer plutôt sur cette île, parce que là ça fait un peu long, ça fait surtout du temps perdu. Créer un joueur. Alors, c'est Renardo, hétérosexuel, de la dynastie. Ah, c'est ça que j'ai dans. Non, je n'ai pas l'ADN. Ok. Bon. Alors, tac, parce que j'avais quand même préparé mes armoiries et tout. Contrôle A, C, tac. Hop, mes armoiries, paf! Ah bon, ça rend pas bien sur le bouclier, mais on s'en fout. Hop, c'est la dynastie Renard, donc c'est Renard de Renard, le premier, évidemment. Alors, pour le lore de mon personnage, hein, on va dire, c'est un paysan. Eh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, tu as tout de suite dégagé de mon chat, toi. Non mais oh, eh oh. Hop, bannir. Non, comment on fait pour bannir? Putain. J'ai pas les options de. Ah, slash ban. DR. Voilà, tac. LOL MDR, c'est un bot. Paf. Non mais oh. Bon, je disais. Il y a des bots qui viennent sur mes streams maintenant. Donc, je colle l'ADN, voilà. C'est Renardo, hein. C'est un bon gros gars, bien jeune par contre. Ah, pas 17 ans, 18. Pour les bonus qui s'en suivent. Alors, c'est un mec, la finesse, il connaît pas trop. Il sait bien se gérer de ses terres. Hein. Ah, ses terres, il sait bien les gérer. La diplomatie, c'est pas son fort. Il est pas bête, mais il est pas intelligent non plus. Et en termes de prouesse, bon, il sait se battre, hein. C'est un mec qui a passé toute sa vie à défoncer des gens. En termes de personnalité, c'est un tempéré, colérique, hein, et brave. C'est comme ça que j'aime bien faire des persos, parce que ça met des bonus et des malus aux endroits qui m'intéressent. Après, en termes de traits, alors c'est un maître des lames, donc il sait se battre. Ça, non. C'est les points de personnalité. Non. Je cherche pas, non. C'est un chasseur. C'est aussi. C'est où, c'est où, c'est où? Il est intelligent. Parce que, certes, il est pas. Mais il est quand même au-dessus des autres. En termes d'intelligence, de grandeur mentale, il est plus haut que les autres. C'est un leader né, quoi. Il est robuste, il a de la force et il est rusé. C'est-à-dire, il est rusé comme un renard, quoi, évidemment. C'est pas un berserk. Par contre, c'est un Varag. Varag, ça, en gros, ça veut dire il est allé faire la guerre du côté des Byzantins. Voilà. C'est un pilleur.
évidemment. Ensuite, en termes de technique de combat, c'est un attaquant agressif. Il est téméraire, hein. C'est un pillard. Et il est organisé. À mes souhaits. Et il est organisateur. Donc là, on peut se dire, ouais, c'est un perso un peu fort. Donc je vais un peu régler les points que j'ai. Tac, je compte un peu mes compétences. Voilà. Hop, j'arrondis à 40. Non, j'arrondis à 35. Voilà, on va dire que c'est plutôt bon. Hein, 992. Bon, voilà, hein, c'est. C'est pas mal, il est pas trop fort, hein, faut pas croire. C'est surtout en tant que premier personnage, il faut un personnage assez fort parce qu'il faut pouvoir consolider. Putain, tu sais pas parler, mec. Faut arrêter, quoi. Ensuite, je peux déclarer des guerres, évidemment. Il me faut un médecin. Évidemment, il me faut un médecin, il me faut des antiquaires, des profs, mais ça, pour l'instant, on verra ça après. Et il me faut que je me marie. Est-ce que je peux pas avoir genre une meuf qui très héréditaire. Tac. Ah voilà, paf, vif et vigoureux, ça c'est sympa. Bon, elle a 16 ans. Elle a 16 ans, mais physiquement on dirait qu'elle en a 5. Excusez, mais bon, c'était une autre époque. Alors en termes de militaire, ouais, quand même, pas mal. Ah, pas mal. J'ai une bonne armée là dès le début. C'est tant bien, c'est des armées qui consomment du prestige, donc paf. Donc en gros, le pognon, on s'en fout. Le Thor. Non. Et Odin. Ah non, paf. Prendre ça comme ça. Plus de. En gros, en hiver, je suis plus fort. Excusez-moi, hop, je me mute, il faut que je me bouge. Re. Alors, donc lui, on va profiter aussi pour voir ça. Hop, allez. Alors. Oui, je suis marié. Let's go. Prendre ceux qui coûtent le plus cher. J'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Okay, là, j'ai gagné pas mal de. Donc, j'ai 7 mondis. J'ai des Vigmen. Mais je peux pas avoir des Juskarl si. Je peux avoir des vétérans Varag même. Hein. Mais non, je vais me faire plutôt une armée conséquente plutôt qu'une armée. Oula, non. Là. Oui. Hop. Tu peux pas grandir, s'il te plaît. Y a pas moyen, genre, je vais là pour. Ouais, non, ça restera un enfant toute sa vie, hein, excusez-moi, mais bon. Elle a dit qu'elle était mon enfant. Ah, qu'est-ce que t'es con. Par contre, pour avoir plus de gosses, il faudra que je. Non, j'ai une autre idée en tête. Hein. Pour mon premier, je vais l'appeler. Bah, hop, voilà, j'aime bien les appeler comme ça. Mes héritiers. Ouais, non. Excuse-moi, mais non. Je préfère garder. Ça. Alors comme je vais pas rester ici toute ma vie parce que je vais faire une aventure Varag sûrement pour ce comté là. Voilà. Il faut une plus grande gloire. Comme je vais faire une aventure Varag pour ce truc là, je vais pas me faire chier, je vais pas me faire chier à améliorer tout cet endroit. Par contre je vais lever les pilleurs.
Et ouais, on va aller piller en France. Si je peux me faire des grandes réserves d'or. Avant d'arriver à la féodalité. Je rançonne. J'ai pas pillé Paris. Si, c'est pas. Oula. Bataille. Ah, et hop, on rentre à la maison. Tac, hop, allez. Bah, le problème des non-vikings, c'est que c'est pas très facilement commençable. Hop, voilà. Hop, voilà. Ah non, c'est pour te... faire un banquet plutôt. Bienvenue mes amis. Paf. Ah, c'est bon, ma femme n'est plus une enfant. Elle ressemble enfin à quelque chose. Alors. Nice, hop. Et non, ça non. Putain, je gagne plein de trucs à rapidement. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai beaucoup en même temps. En expérience militaire aussi. Ma femme est enceinte, ça c'est une bonne nouvelle. Je perds du prestige. Non, c'est bon. J'en gagne. Mon armée, 2400 hommes. Je vais d'abord partir en pèlerinage. Tac, oui, il est temps de partir. Je m'en fous un peu. Tac, yes, ça c'est cool. Ça c'est cool, je crois que. Ouais, le pèlerin, ça donne pas mal de boost de pignon. C'est encore une fille. Hein. Tac. Hop. Alors, je vais juste tac, voir si je peux pas avoir ça. Garde du corps, champion personnel, voilà. Histoire de gagner du prestige et tout ça. Voilà, je suis enfin rentré chez moi. Est-ce que je peux tenter. Ah oui, mais je parle que le nordique. Hein. Je parle que le nordique du coup. Hop, je vais apprendre la langue anglaise. Parce que si j'arrive dans un endroit et que je parle déjà la langue, ça pourra me faciliter pour le futur. Oh, pas mal. Et du coup, ouais, comme le prestige, c'est un peu la ressource que tu veux, ça change un peu le mode de jeu. Je fais des 8 cartes ou des vétérans pareil. En termes de maintenance... Je vais commencer avec des juscards. On va en faire deux. Hop, prépare l'araignée. C'est mon domaine.
pourrais prendre la merci, mais le problème c'est que je préfère cet endroit. En termes de placement, c'est plus intéressant pour attaquer là, pour attaquer tout ça. Et c'est moins central. Et ce qui est bien quand t'es sans, quand t'es pas central, c'est que on peut t'attaquer que d'un côté, c'est plus facile à défendre. C'est plus facile à défendre. Et puis c'est un endroit que j'aime bien. Après oui, je préfère directement pour le royaume de France. Ah non, tu peux pas. Il y a envahir le royaume, mais ça c'est plus tard, c'est quand t'es... Oui, quand t'es niveau 4, bon, ça sera bien plus tard. Bon, mon armée, à quoi elle ressemble? Des fiers hommes plutôt forts. On est presque deux fois plus. Allez, c'est parti. Il y a tout simplement nos matchs en fait. Ah putain. Allez. Paf, je deviens athlétique en plus. Ah oui, c'est l'artefact de la cour, je m'en fous. Tac, hop. Les gong. Alors oui, normalement c'est quand t'es un roi, mais en fait non. J'ai mis un mode qui fait que c'est aussi quand t'es, tu deviens un simple duc, tu reçois le truc. Et du coup ça je ne l'ai plus, c'est qui l'a? C'est lui, d'accord. Ok. Bon, ça, je vais prendre une concubine. Bon, là, pour l'instant, on va pas trop envie. Tac, je disperse mon armée. Et du coup, c'est des... Ah, c'est des trucs... Ah merde, je suis plus... C'est... Oui, non, c'est l'attaque. Parce que ça augmente... Ça donne des bonus à la zone. Et du coup, maintenant, je suis... Oui, maintenant, je suis dans la merde au niveau financièrement. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est un peu plus la merde. Qu'est-ce qu'ils me veulent, les gens? Alors... Alors... Ah, sympa. Mon travail est terminé. Paf. Ensuite... Non, parce que là, ce que je vais faire, c'est promouvoir la culture. Ah putain, ouais, du coup, ouais, je suis un peu... Et j'ai converti le comté. Qu'est-ce que vous voulez? J'utilise le moins de pognon possible. Je vais déclarer des guerres, mais genre, j'ai pas des guerres de type je t'envahis pour juste prendre des soldats ou quoi. Enfin, c'est spécifique quand t'es un scandinave. Ok. Donc, non, là je vais pas prendre de guerre. J'ai des champions, ça je m'en fous. Tac. Je vais
Oui, non, mais pourquoi c'est cette ville ma capitale? C'est cette ville qui devrait être ma capitale. Et je vais les pilleurs locaux ici. Hop. Déjà, je vais dire fuck à ce qui t'arrive. Voilà. Et ensuite, c'est parti. J'ai besoin de pognon. J'ai besoin de pognon. Voilà, paf, là j'ai pas mal de pognon. Je rançonne, tac tac, into paf, into, je suis le meilleur joueur du monde en fait. Dans cette voie en difficile, hein. Je vais les chasser. Bon, je perds un peu d'argent, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tac. Je vais laisser passer un peu le temps. Oui, non, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Promouvoir la culture un peu dans l'endroit où je me situe. Mon but ultime, ce serait d'avoir plein de vassaux nordiques qui propagent la culture nordique à leur tour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la culture nordique, elle a ce qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire. C'est ça? Non, c'est où? C'est lesquels? Ils sont où? Bref, je sais pas, c'est eux là, tout ça. Ça, c'est ce qui m'intéresse chez les Nordiques. C'est parce qu'ils ont les unités les plus fortes du jeu, en fait. Enfin, à ce stade de la partie, c'est eux qui ont les meilleurs. Nice! Oh putain, je suis poète, c'est cool. C'est un trait positif. Tuteur pour ma fille, quand même. Comment ça, je peux déjà. Ah oui, non, mais j'ai déjà une armée très puissante, donc. Conquérir le duché, j'ai pas. Ah, oui, non, faut aller montrer. Ouais, je vais attendre. Ouais, c'est pas loin de remonter. Tac. Je vais juste au cas où aller piller de ce côté-là de la Manche. Tac. Nice, je parle français. Français, je parle anglais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a des trucs qui se déclarent indépendants maintenant. Ah merde, c'est vrai, il faut que je pense à faire ça. Ouais. Voilà, donc je suis à combien? Si j'ai l'air de ne pas lire ce qui se passe, c'est juste que je connais les trucs par cœur. Hein. J'ai beaucoup d'heures de jeu. Je connais les événements par cœur. Ça, c'est pour les. Ah, ça c'est cool, paf. Je vais me forger quelque chose. Paf, là je me perds à 300 balles d'un coup. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, j'ai un nouveau champion, paf. Chevalier. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein?
Eh ben, tu es médecin de la cour. J'en avais pas. Eh ben. Ça tombe que tu sois là, alors. Hop. Je vais faire un port. Into. Je prends la culture. Je dédicace à des randoms de ma cour, juste pour leur faire plaisir. Un tuteur. Hop. Allez. Ouais, il m'en manque combien là? Allez, allez, allez. Ah putain. Non, vraiment, vraiment ça c'est très sympa, mais j'aime pas ce truc, ça sert à rien de faire ça. Allez. Timide, impatient, comment timide. Accorder audience, qu'est-ce qu'on appelle les pectoraux. Ça. La fête à combat comme ça, on le sait. Vas-y, plus de magnificence de coupe, mais ça on s'en fout. Mais 3% de revenus mensuels, ça fait. Oh, 3%, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais bon, c'est pas. Donc, d'ailleurs, ma cour, du coup. Cour guerrière. Ah, c'est les insignes royaux qui m'a fait. Bon, ça, on s'en fout un peu, non? J'ai rien dit! Voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, mais nique ta mère. Eh, ça tombe bien, ça. Paf, paf. Et là, mon armée, en un seul clic sur le bouton entrée, va devenir extrêmement forte. Paf, paf. Là c'est le temps pour aller faire des guerres. Hein. Donc on n'est pas en late game. Emprisonné, t'as fait quoi non, t'as... Donc, paf. Ah, donc ça, il y a déjà un truc qui se construit. Donc j'en construis un ici aussi. Et ici, je vais construire un fort. Vu que c'est à l'intérieur de terre. Hein. Hop. Lol, c'est parce qu'il sent que je vais l'attaquer. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que je vais faire. Hop, conquérir le duché. Voilà. Hop, je lève tout. Simplement la guerre sur tout territoire. Okay. Patient, généreux ou appliqué. Appliqué. Ah, le tout sans arme de siège. Hein. Sachant que ça dépend. Hop, allez. Et c'est tout simplement la mort de l'ennemi. Et c'est la win. Hop là. Ah et du coup, ouais, j'ai tout ça. Bah je vais accorder. Moi je vais accorder à des nouveaux nobles, comme ça me fait. Ça me fait des vassaux pas forts, mais surtout ça me fait des nouveaux champions. Et des nouveaux champions gratuitement. Et non, c'est pas dans mon UC.
Et du coup, ça s'appelle Yarma, enfin, plus ouest, mais couilles. Je sais plus ouest ou est, oh, franchement. Voilà. Hop. Ok. Comment ça, peu de champions? Oula, mais tu m'aimes pas, toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 18 champions et putain toi tu m'aimes pas là. Ah mais c'est un catholique. Bah je vais exiger une conversion. Voilà. Pas négocié pour ton âme, donc si je regarde dans les factions contre moi, il va y en avoir une. Voilà. Oui. Voulez-vous la liberté, mais vous ne l'aurez pas parce que le plus que je veux. Ah là là, ah ça c'est le pognon, hein. Ah putain, il y a toujours des décisions à prendre dans le jeu et dès que tu les prends, c'est pognon. Oui, mon fils ira à ta petite fête. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? D'accord, bah merci, hein. Des guerres. Des guerres. Que je pourrais attaquer pour conquérir ça là. Oh, long. Ah merde. Et j'ai pas d'armes de siège donc il y a certains endroits là, je peux juste pas les attaquer. Colérique, indulgent, ouais, colérique. Ça regarde. Ah si ça passe. Arrête de fuir! Arrête de fuir, peureux! T'es nul! Voilà! Ensuite, au moins dans mes comtés à moi, bon pour les comtés des autres, je m'en fous un peu. Tu veux pas poser la vassalité? Peut-être parce que nous avons une foi différente. Hein. Hey, donnez-moi du pognon. Merci les gueux. Hop. Allez, ça dégage tout ça. Ça me construit du pognon, allez. Ah, c'est nordique, c'est un truc, j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime bien. Tous mes maisonneux sont des acides truards. Merde, j'ai trop de gens dans mes cachots, allez là. Combien de faveurs et tout, non. Bouffon. Eh voilà celui que j'aime pas. Artisan, ouais. Sans. C'est mieux que rien tout ça. Assez de pognon. Tac. Hop. Je
ça c'est bien que je peux augmenter mon développement comme ça. Et c'est développement 6, c'est pas ouf. Alors que Londres est développement 8, c'est pas ouf. Les Gallois aussi, on va les prendre en main. Paf, petite bataille. Voilà, ça fait du pognon. Ça fait des prisonniers. Oh là là. Je vais péter la gueule à quelqu'un. Je pète la gueule à un petit vieux. Oh le pauvre. Et non, je suis victorieux. Je pensais vraiment pas que j'allais perdre. Quand j'ai vu que j'avais des désavantages et tout, je me suis dit ah, c'est perdre. En fait, non. Et du coup, ça fait cool. Ah, ben, je peux usurper. Hop là. Je peux usurper. J'ai pas assez de pognon pour usurper l'autre. Les couilles. Alors, mon fils, tu vas te marier avec quelqu'un qui a des traits héréditaires et qui a le plus d'aptitude. Alors, non. Ça, c'est juste non. C'est juste non. Non. Ah, 29 ans, hein, t'es un peu vieille. Attends, différence d'âge maximum, 5 ans. Voilà. Ah. Bon, on va dire différence maximum, 10 ans. Est-ce que t'es prêt pour attendre, mon fils? Non. Non, non. T'es mon héritier, il faut que tu me fasses des gosses vite. On va essayer d'en prendre une qui pue pas trop la mort. Ben, on va prendre... elle. Elle est intelligente. Enfin, elle est intelligente. Ouais. Bon. Contrôle absolu, donc hop, je peux changer de... de focus, accorder audience, qu'est-ce que j'ai là? Allez. Ah là 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 là, putain de saxon là, enfin, d'anglo-saxon. Qu'est-ce que tu me veux? Ah putain, je suis en situation de dette. Hein. C'est pas grave. La Bretagne, tiens. Voilà, la Aquitaine, tant qu'on y est. N'importe quoi c'est en train de se passer, rançonner évidemment. Alors. Ça c'est cool. Ça c'est fini. Ça c'est cool aussi du coup. Ça c'est cool. Et ça. Oh, boum. Regardons, hein.
ça en disant à rien. Sauf aux gens bizarres qui essayent de vendre des bottes sur mon site. Peu con là, on s'est suicidé sur moi là. Eh hey, mais je reconnais, ça c'est Paris. Hop, allez, ça m'a Paris. Allez, on se tire. Ah putain. Mais... Ah ça c'est bien, par donc là je peux faire beaucoup de thunes d'un coup, c'est ouf. Eh mais du coup faut pas que je sois sur un mec, tac. Hop, disperser, extorquer les sujets, prendre des petites croquants d'arthrosales sans importance, ériger une guerre unique. Ça je m'en fous. Voilà. Anglo-nordique. Je vois. Donc, ouais, non, mais la culture anglo-nordique, en fait, elle m'intéresse bien. Donc, comment on fait? Hop, tac. J'ai arrivé à faire diverger la culture. Mais je vais faire ma propre culture anglo-nordique. Ça va être la culture renarde. Vu que ça porte le nom de son créateur. Hein. Nom de groupe, c'est les renards. Et le préfixe, bah, c'est renard. Et la culture va être orange, voilà. Hop, alors. C'est une culture de langue anglaise. C'est le problème. C'est que la langue nordique est peu à parler par les autres. Alors, philosophie, comment on fait pour changer ça? Ah oui, non, attends, choisis une, ok. Stoïque, bélique, bureaucratique, spirituel, bélique ou stoïque hein. Non. Alors, en tradition. Ça coûte cher, je vois. Hop. Ah ouais, putain, c'est très complet hein, comme création. La force du nombre. D'accord, guerrier par le mérite. Je vois. Je le préfère largement, hein. Alors. Non, ça je m'en fous. Régional, ouais, non, rituel. Lié par la fin. La pierre runique que j'ai déjà. Par l'épée.
Ah oui, d'accord. Je rêve que je viens d'activer Alexa tout seul, en train de parler dans mon coin. Mais non, 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 ça c'est bien. C'est-à-dire, du coup, on devient des gigas. Des gigas. Trucs. Pas sympa. Après social. Non. Le droit de faire ses preuves. Non. Pirate chevronné. Non. Celui de croyant. Non. Spartiate. Non. Œil pour œil, non, xénophile. Non, il n'y a pas xénophobe. Ah, putain, ça peut être sympa, non? Différenceur H. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. Mais du coup, Histoire du Nord, ça fait quoi? On s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce que du coup, je peux faire des trucs grands, très. Dans le combat, quoi. Prêtre guerrier. De la prouesse. Moi, je ne sais pas. Tenir et se battre. Non. Tactique de harcèlement. Non. Épée rembauchée. Les vagabonds. D'accord. Cours mercenaire. Combat. Ah oui, d'accord. Ok, oui. Ok. Ouais, non. Ouais, non, non. Seulement les forts. Ah, putain! Ah oui, direct. Ça coûte 16 000. Ok, il me faut 16 000. J'ai que 4 000. Tout va bien? Oh putain, j'espère que ça va pas. Au cas où. C'est quoi déjà? C'est Windows. Oh, c'est pas grave. Windows D, tac. Au cas où, je fais une capture d'écran. Putain, ils ont encore enlevé le sniping tool de. Ah, de ma capture. De ma capture. De mon. Je vais aller. De ma barre des tâches. Là, je veux. L'épingle, bon, paf, au cas où, je prends en photo ça, tac, hop, je ferme, et si je fais ça, ferme le verger, est-ce que ça garde? Ça garde, ok. Il me faut du prestige, c'est comment gagner du prestige efficacement en gagnant des guerres et des combats. Donc je vais faire des guerres, hein. Hop. Je vais faire des guerres mais très efficaces uniquement avec mes hommes. Ah, je peux enfin négocier le démon. Maintenant un roi, le roi du Denlo, c'est parfait. Parce que maintenant je peux vassaliser plus facilement. Bon, toi tu m'aimes pas. Hop. Oh, il y a un cadeau. Voilà. Donc maintenant il devra accepter. Accepter, voilà. Tac, porteuse de bouclier, évidemment. Non, non, je vais pas m'encombrer de ça, excusez-moi. Hop, ma fille peut se marier. Je donne les aptitudes matrilinéaires. Oui. Hop. Je suis enfin un roi. C'est parfait. Donc, j'ai une trêve de combien de temps? 100 ans, je crois que c'est. Non, 25 ans. Ok. Ok, j'ai une trêve avec l'Angleterre, mais bon.
Du coup, voilà, le Denlo est plutôt grand, on va dire. Et du coup, je peux finir de conquérir ça. Hop, paf. Merde, non. Pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Sont élevés, elles sont puissantes. Allez, chasser, tac. Usurpé, ça, tac, je l'accorde à un homme de culture bandique. Ok, ça c'est bon. Hop. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac, je vais en profiter. Un goûteur, tiens. Hop, voilà, un grand écuyer. Ça, c'est parfait. Maître de chasse. Tu seras plusieurs choses. Architecte. Aumônier. Échanson. Musicien. J'ai pas de bourreau. Je peux pas avoir d'artisan. Ok, tac, artefact. J'ai quoi comme artefact? Oh, j'ai Excalibur! Oh, let's go, j'ai réussi à avoir Excalibur. Pas changer assiette pour fromage. Bonjour, je suis actuellement quelqu'un de pas drôle. Des abonnés. L'animal est à moi, évidemment. Ça n'est pas moi. RT cite à la ref. Oh putain, je sais pas ce que t'as fait mec, hein. Mais tu m'as rendu pas content et je vais baiser ta mère. Désolé, pas désolé. Eh bah attends, j'ai une nouvelle fille à marier là. Hop. Qu'est-ce qu'il est moche? Et ben ce sera. On mange quelque chose de matériel. Et ben ce sera. J'ai rien gagné, je pense, mais je m'en fous. C'était juste pour l'honneur. Hop. Ah, parce que ça coûte de l'honneur, ok. Ah, j'ai trop de bûcher. Ah merde. Oui, non, mais ça, c'est pas à moi. Eh ben, je vais donner le. Je vais l'accorder à. Bah, à lui. Voilà. Je dois faire la guerre à qui là? C'est dans le nord? Ah, c'est les Écossais? Eh ben, les Écossais, vous allez voir les Écossais. Paf! 2000 de mes plus puissants des hommes vont péter la gueule, les Écossais. Ah, les Écossais, ça fait les beaux, hein. On va aller capturer ta capitale juste parce que je le peux. Ah, qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Let's go. Let's gong. Par contre, ma cour, c'est un peu le clodo comme ça, donc. Je vais y foutre le pognon.
Là, ensuite, là, on va construire un terrain de chasse. Ensuite, on va construire un terrain de chasse. Et nous allons construire un terrain de chasse. Je veux qu'on fasse la chasse partout dans mon territoire. Ok. Bah, tu peux faire la guerre si tu veux, hein, mon gros. Ça reste moi le plus puissant. Oh, mais c'est dommage, il y en avait un qui me donne exactement ce que je veux. Je peux déclarer la guerre à lui. Regarde le royaume. Oh non. Le duché, non. Le comté. Voilà. Je vais envahir ton comté. Voilà. Et c'est un comté que je ne saurais pas prononcer. Oh, c'est trop mignon. Ah, mon héritier a fait des jumeaux. Mais attends, j'ai un nouveau artefact. Un marteau d'armes, trop stylé. Et une cotte de maille, trop stylé. C'est pas ouf, mais c'est gratuit. Donc c'est des boosts gratuits, et moi j'aime bien la gratuité. Arrêtez de faire des gosses, mes enfants, là. Faites trop de gosses. Hein. Tac, c'est Chester. Okay. Alors, hop, je peux rançonner, ça je m'en fous. C'est vrai, il faut pas que j'oublie ça par hasard. Et je run sur les coups. Ça c'est cool par contre, j'aime bien quand j'entends ça. Pour une arme en plus, eh ben fais-toi plaisir, meuf. Je te donnerai tout ce que tu veux si tu me fais une arme qui est jolie. Un grand marteau d'armes. À mon pote là. Alors. 60%. 50%. Allez. Ah putain, le malchance ça. Ah merde. Non, c'est pas ça, c'est pas là. Tac, d'ailleurs, hop, paf, et paf. Ah, ensuite. Non. Ah c'est là. Bouffon. Poète. Toujours personne. Je peux pas faire des... Quoi? Une lance? Mais c'est de la merde! Bon, alors... Je vais péter la gueule. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et allez, hop, il est mort. Alors, non. 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 Il y a ça. Ma magnificence doit augmenter, ça va être une cour guerrière. Et en. La magnificence doit progresser. Ouais, une petite guerre.
On dit jamais non à une guerre. Je vais faire la guerre à plusieurs. Pas lui. Faire la guerre à plusieurs dans. Dans le coin, hein. Donc on y est. Ça coûte rien de faire une guerre à plus grande échelle. Tac, allez. On va lui péter la gueule. De toute façon, ils vont faire quoi? C'est des merdes. C'est des merdes. Et voilà. Alors, accordé A. Hein. Je ne peux pas faire le pays de Galles, j'imagine. Si, j'ai juste pas l'argent. Et ben ça tombe bien parce que l'argent, je vais l'avoir. Il suffit que. 91, ok. Je vais attendre 91. Quoi, j'ai une nouvelle bannière, hein. C'est possible. Ouais, mais les bannières. Celle-là, c'est quoi? 10, 2. Ah ouais, c'est 15. Après, c'est pas ouf, hein, mais c'est quand même un peu mieux. Bon, prisonnier. Ouais, voilà. Ouais, on va sacrifier aux dieux ces gens impies là. Il me faut du pognon. Il me faut du pognon, du petit pognon. Ah bah je sais, on va aller piller l'Angleterre. Hein. Mais c'est pas grave. Ah, ça me fait rire parce que dans les légendes ça, qui raconteront cette guerre, c'est après avoir battu une armée adverse et commencé à conquérir la ville, une armée de 6000 vikings est sortir de nulle part pour me péter la gueule. Aventure. Bon. Si. Pognon gratuit, on aime ça. Hop. Et je jure. Hein. Hop. Et je crée. Et j'accorde à lui. Je m'en fous. Comment ça, trop de duché? Ah oui, accorder à. Peut-être créer des trucs, mais pour l'instant faut que j'attende là. Centralisation, ça c'est pas. D'ailleurs, combien? 7 de développement, putain, le développement il avance pas vite hein, quand t'es à Nordica. Mais est-ce que je pense? Je crois que ça, oui, ça doit venir de soit de la culture, soit de... Ah merde. Je me comprends.
de la religion. Putain, j'ai mis du temps à trouver mon mot. Allez. Mais qu'est-ce que ça met du temps pour passer les jours? Attendez, je vérifie un truc quand même sur, sur Streamlabs. C'est bien la carte graphique qui décode, enfin qui code le stream. Stream. Sortie. Vidéo, bon, c'est où que je vois ça? Enfin, j'espère pour lui quand même. Oui, non, c'est... Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et d'ailleurs, j'ai pas... Pas le rock ou quoi. Perdu 0, manager. Tout va bien. Tout va bien. Everything is ok. Everything is fine. Ma vie est de la merde. C'est déjà 9h du mat, quoi déjà? Ah, du pognon. J'aime le pognon. Ah, je vais aller chasser aussi. Let's go. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? Je crois en mon fils. Let's go! Ouais, ça c'est sûr, ma fille elle est bonne. C'était facile. Et toujours pas, hein. Ça rend dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors. Allons bon. Allez, je suis à 7000 là. J'ai oublié ça, paf, hop, et paf. Il me faut presque le double du prestige, je crois. Oui, voilà. Un peu de 16 000. 7 et 7, ça fait 14. Donc il faut plus de la moitié. Je suis à moins de la moitié. Putain, j'ai l'impression qu'il va faire. Il va faire un truc de dingue, le gars. Je lui donne plein de pognon, l'assistance par plein de monde. On arrive dans mon premier enfant que j'en ai rien à foutre de lui. Ben tu vas te marier à elle parce que j'en ai absolument rien à foutre de toi. Oh, c'est tout? Je veux dire, waouh, trop bien. Mais sympa, cool. Accordé audience, tiens. Tu sais que je vais péter la gueule. Alors. Je m'en fous. Oh.
des nouvelles cartes. Ouais, go. Ouais, brûler la meuf qui me parle. J'affecte ça. Putain, cette moustache hein. Un cadastre. Cool. Cimer. Je suis content. Pour savoir la culture nordique, est-ce ok? Par contre, la religion, oui, elle se. Il me faut de l'argent. Je veux l'argent. Le fric. Je veux le pognon. RTC, toi aussi, t'as la ref. Bon, alors le pape. Le pape. Eh bien, du pognon, le pape. On va aller le défoncer le pape. J'avais pas vu ça. Je vais te marier à lui même s'il est moche. Tu vas te marier. Non, 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 pas. Tu vas te marier à lui là-bas en dessous. Non! Ma femme est morte! Oh no! Anyway. Le pape ne veut pas envoyer une nouvelle armée ? Ok, je vais aller. J'ai beaucoup de pognon, mais c'est où en fait ? Je suis idiot. Le développement le plus élevé, il est où ? Alors il y a Rome. Ah, il y a Cordoue apparemment. Cordoue, pourquoi Cordoue ? Je ne sais pas. Eh bien, on va aller piller Cordoue. Parce qu'apparemment, Cordoue, il y a du pognon. Et moi, j'aime bien quand il y a du pognon, parce que j'aime bien le pognon. J'ai fait une bataille, apparemment. Bon, ça fait du prestige. Ah, alors, Cordoue. Ouais, non, non, nique ta mère.
Hop, en plus je suis plein. Allez. Allez, on rentre à la maison. Hop là. Ça c'est sympa. Voilà, j'aime bien. Ah, tout le monde me déteste, mais bon. Mais qu'est-ce qui se passe là? Déjà que. J'espère que c'est pas déjà arrivé. Ah, si, ça a déjà commencé. Il y a un bug dans le fait que les ducs peuvent avoir des cours royales. C'est que du coup, tout le monde commence à parler arabe. Je sais pas pourquoi. Parce que la cour de grand empire arabe est la meilleure du jeu. C'est la plus haute. Du coup, tout le monde essaye de les copier. Du coup, même en Inde, ça commence à parler arabe. Ça parle arabe même là. Je ne sais pas pourquoi. Même mon voisin, enfin mon vassal, ça parle arabe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, je vais pas me mettre à parler arabe parce que ça sert à rien. Mais ça me fait rire. Il en faut peu pour me faire rire, hein, je vais pas vous mentir. Hop, tac. Et je vais l'accorder à lui. Voilà. Une porteuse de bouclier. Je peux déclarer les guerres, tiens. Ben oui, je peux déclarer. Non. Je peux déclarer la guerre à l'Écosse. Hein. Envahir. Je peux envahir l'Écosse. Hein. La Norvège. Hein. Oh non. Mais je peux envahir l'Écosse. Hein. Et c'est pas je peux, c'est que je vais envahir les garçons. Je vais totalement le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, je vais péter la gueule à quelqu'un. Oh, ça c'est cool. Je suis victorieux, paf, j'ai gagné le duel. Le fait que tu peux faire plus facilement des duels, c'est cool parce que les duels ça donne du cachet que j'aime bien, c'est-à-dire. Hop, oh, qu'est-ce qui se passe? Notification. C'est pour me dire qu'il va pleuvoir. D'accord. Bah écoute, si je regardais par la fenêtre, bah, je verrais qu'il fait gris. Oui, il va pleuvoir. Merci Google de m'envoyer des notifications pour ça. Comment ça, peu de champions? Ça, j'en ai assez pour moi des champions. Non mais c'est une grave erreur que tu as fait là, mon ami. Hop! Paf! Combien? 800. Et là? Oui, non, ça c'est la bonne. Hop, méritocratie, on se rend compte. Cool. Ah oui, j'ai gagné beaucoup de choses, évidemment. Ah, je pouvais éliger une pierre. Voilà. Ensuite. Chiant. Juste chiant. Là, juste chiant. Alors. Tac, hop, accordé, tac, hop, accordé des titres.
paf, 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 et paf. Ah, accorder les titres. Ensuite, accorder les titres. Ah, hop, hop, accorder les titres. Paf, paf, et paf, paf, voilà. Ensuite, accorder des titres à mon fils. Tac, 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 voilà. Voilà. Oui, mais j'ai pas de pognon. J'ai pas de pognon. J'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Putain, je suis pauvre. J'en ai marre. J'ai marre de la pauvreté. Accorder audience, qu'est-ce qui me valent les pauvres? Voilà, tac. Oh là là, niveau 10. Du coup, je pense que je peux. Non, non, pas que je baisse. Pas que je baisse. Ok, tac. Non, ma fille est morte. Oh, ça c'est cool. Fait de chasse. Ok, il me faut 16 000. Hein. Il me faut 16 000. Il me faut 16 000 avant ma mort. Alors, déclarer des guerres, emprisonner. Ça je m'en fous. Déclarer des guerres. Hein. Oui, bah, en fait j'imagine que les guerres qu'il veut que je déclare, elles sont là-bas. Mais bon, là il me faut du pognon. Il me faut du pognon. Du pognon, de la moula, de l'argent. Du caramel, de l'oseille. Il me faut de l'argent. Du pognon. Du nique ta mère. Voilà. Hein. Il me faut du nique ta mère. Quand est-ce que je vais avoir du nique ta mère, putain? Ah bah attends, ah non, on n'est pas en 80. Si, on a dépassé 91, connard. Ensuite, c'était là. Oui. Hop là. Voilà. Hop. Le royaume de Pays de Galles s'est créé. Je suis donc le roi du Danelaw et du Pays de Galles. Et bientôt, je serai aussi le roi d'Écosse. Il me manque juste un peu de pognon. Il me faut du pognon. Par pitié, donnez-moi du pognon. Je vais... Pognon. C'est pas beaucoup de lettres, mais ça veut dire beaucoup de choses dans mon cœur. Pognon. P-O-G-N-O-N. Pognon. Donnez-moi du pognon. 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 Donnez-moi du pognon. Je veux du pognon. Pognon. Gnigne. C'est dingue, parce que si on regarde, genre, mon fils, il a pas des stats de ouf, mais si on regarde mes filles, elles ont des stats, genre, elles, déjà. Ses stats, elles sont... pas nul, mais c'est laquelle? C'est
Elle, je crois qu'il y a des stats de ouf. Je sais plus. En fait, mes enfants, ils ont des bonnes stats. Et ça, je suis content. Donnez-moi mon pognon. Il est où mon pognon? Est-ce que t'as mon pognon, le jeu? Donne-moi du pognon. Pognon. Pognon, argent, fric. Je veux mon pognon. Rendez-moi mon pognon. Il faut doubler mon pognon. Je veux mon pognon. Donnez-moi mon pognon. Je veux du pognon. Pognon. Il faut du pognon. Donnez-moi du pognon. Ah mais attendez. Ça devrait pas augmenter mon pognon. Ouais, pas de ouf. Non, 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 continue, continue, continue. C'est pas ouf, mais donne-moi quand même du pognon. Donnez-moi du pognon. Donnez-moi du pognon, j'ai plein de pognon. Par pitié, donnez-moi du pognon. Pognon, 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 pognon. Je ne veux pas dépenser de pognon. Pognon. Un avant résista, toi, pognon. Donner pognon. Pognon, 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 pognon. On dirait une alarme. Hop, les gueux. Hop, vous êtes tous morts. Donnez-moi du pognon. Ah, mais j'ai du pognon. Non, ça coûte 500. Donnez-moi du pognon. Il est où mon pognon? Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien avoir mon pognon. Hop! Voilà, j'ai plus de pognon. Donnez-moi du pognon. Je suis insupportable. Et je veux mon pognon. Ah ben voilà, là je vais pouvoir faire plus de guerres plus intéressantes. Hein. Non, 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 tu vas te calmer, hop. Les guerres, quand on les gagne, ça donne du pognon, on est d'accord? Non.
Alors. Oh, j'ai des artefacts en plus. Ah oui, non, mais c'est des artefacts, c'est des bannières nulles. Hein. Rareté, tiens. Voilà. Ouais, là t'as ceux qui puent la merde. Et là t'as ceux qui puent un peu moins la merde. Voilà, tac. Bon, ça me fait un peu chier parce que voilà, mais bon, celui de la dynastie Renard exposé, c'est 10-2 et là c'est 10-2. Ouais, du coup, bon, ça. Ah, je peux accorder l'audience. Alors, est-ce qu'ils vont me donner du pognon? Non, tu arrêtes de faire ça. Cool. J'ai pas gagné grand-chose, mais hey, on est presque. Il nous manque 3000 là. Et du pognon. Il est où mon pognon? Est-ce que je vais avoir mon pognon? Sweet home Alabama. Bon, quand même. Allez. Je ne suis pas marié. Je sais, je ne veux pas être marié. Quoi? Allez. Pourquoi je... Voilà. On va pas faire la guerre là un peu à ces connards d'anglais. Hein, les anglais là. Hop. Ah, vous pétez la gueule les anglais. Vous avez du pognon d'ailleurs les anglais? Les anglais, est-ce que vous avez du pognon? Vous n'avez pas répondu. Vous avez du pognon? Pognon. Money, comme vous dites dans votre langue de barbare. Nous on dit pognon. Ah, mais du coup, je vais avoir. Oh putain, connard. Tiens, j'étais à deux doigts de rentrer dans la ville et fait. Ah non, en fait. Connard. Seul mot, conne. Ça fait drôle. Voilà, tac, accordé à un nordique. Qu'est-ce que c'est? Aller chasser, oui. Oui, je vais aller chasser. Oui, il manque que 2000. Excalibur, j'en ai une deuxième. Pardon? Comment ça, j'ai deux Excalibur? J'ai deux fois Excalibur, c'est quoi ce bordel? Bah écoute, j'ai deux Excalibur, hein, c'est mieux qu'une. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et faut vraiment pas changer l'assiette pour le fromage là, hein.
ensuite. Pognon, pognon. Vous avez du pognon? Donnez-moi votre pognon. Bonjour. Est-ce que je vous ai déjà parlé de notre truc magique qui s'appelle le pognon? Non! Ah! C'est scandaleux! Ah, mais attends. Non, mais ça, je m'en fous. Si je me marie, je peux pas gagner ce qui m'intéresse. Hein. Gagne prestige. Ah, je peux gagner 400 de prestige si je me marie à cette meuf. Bon, bah, peut-être pas celle-là. Bon, 25, non. Gagne prestige. Bon, au pire, je suis juste pas de gosse. Hein. Voilà. Ah, 400 de prestige, ouais. Je me marie totalement pour ce qui m'intéresse. Hein. Et pas du tout pour le prestige. Oui, c'est parce que je suis amoureux. Je veux pas du tout le prestige. Hein. C'est parce que, waouh, l'amour, quand je l'ai vu. Oh là là. MDR. Pour le royaume de Grande-Bretagne, ouais. Mais j'y suis pas encore. Hein. Alors, voyons le monde, comment il en est. Ouais, peut-être qu'ils vont arrêter de parler à Rabat. Non! Ils ne vont pas arrêter de parler arabe. Je suis pas le chef de la culture. Ah non. Ah mais oui, mais moi j'en ai que... Oui, mais oui, oui. Idiot que je suis. Ça ne veut pas parce que le mec il est en prison, mais je sais pas où est-ce qu'il est en prison. Ah, un petit peu plus de pognon, je dirais pas non. D'ailleurs, vous avez pas du pognon, vous les gars? Je m'attendais un peu plus. Allez, je suis bientôt à 16 000. Là. Eh, mais si j'allais piller mon pote le pape. Eh, le pape, tu vas même pas y croire. Hein. Genre, je vais totalement te piller. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Rien, parce que je vais te piller. Ah, merde. Ça me fait rire. Genre, t'envoies l'armée. Et dès qu'ils arrivent, ils disent « Merde, on a oublié de prendre nos épées spéciales de pillage. » C'est genre, on a juste envoyé une compagnie de touristes, là, en fait. Un peu en fait, ouais, non, faut que ma cour reste la première dans le monde. Ah, mais je reconnais ça, c'est mon super pote qui va me donner du pognon. Et ah, ben voilà, ah, ça c'était sympa. Merci pour le pognon. Là, je suis content. Là, ma vie est complète, remplie. De joie. Je souris à la vie. Je souris à la vie et à mes ancêtres. C'est l'avènement de la culture renarde. Ah putain, c'est 16 500. Merci.
Oui. Voilà, donc, évidemment, les guerriers côtiers, évidemment, pilleurs de champs de bataille, hein. Hein? Des défenseurs acharnés, évidemment, et par l'épée, évidemment, hein. Et seulement les. Ce qui fait que je dois pas avoir beaucoup de. D'accord, ok. Excusez-moi. Et du coup, ouais, on va devoir promouvoir la culture renarde. Hein. Hop, reviens dans. Est-ce que j'ai droit? Aucune frame, tout va bien. Je reviens dans 2 secondes, je vais boire un verre d'eau. Dites donc, ce serait pas Renardo celui-ci là? Eh ben alors? Eh ben oui, c'est le retour du renard, hein. Je suis juste allé boire un verre d'eau. Et je vais pas mentir, j'ai aussi allé bon, pisser un coup parce que j'avais envie. Ce qui est bien hein, quand il n'y a personne qui regarde ton stream, c'est que tu fais absolument ce que tu veux. De toute façon, hein, il n'y a personne qui regarde, donc bon. Hein. Je pourrais m'amuser à dire des énormitudes, mais je n'ai pas envie. Non, mais on s'est jamais vu. Mais tout en ligne sur YouTube, il suffit que je dise une phrase de travers qui soit entendue dans 50 ans quand je serai super populaire, et puis... Lol. Mais bon. Faut pas prendre de risques, hein. Avec les idiots, hein. Du coup, là maintenant, on parle... Nous sommes de la culture renarde. Ce qui fait que... si je me souviens bien, hein. La dévotion fait qu'on pète la gueule à tout le monde. Quand on se bat, on gagne du pognon. Quand on se bat, on gagne du pognon. Quand on se bat, on gagne peut-être pas de pognon, mais on gagne. Quand on se bat, on a des meilleurs. Voilà.
quand on se bat, on est plus fort. Ça coûte plus cher. En fait, ça coûte plus cher, mais on est plus puissant. Du coup, l'un dans l'autre. Ah oui, non, j'ai quand même perdu pas mal de... Je peux pas avoir des champions en dessous de 12. Je vais tirer un peu. Pardon. Donc, je vais quand même essayer de faire quelque chose pour tout ça. Bah, c'est parti, hein. Ah, je me souviens pourquoi j'avais... Ah, merde. Donc, je me souviens pourquoi j'avais installé un logiciel, un mode de triche. Pour ce genre de situation où tu dois juste convertir tout ton pays. Et que ça prend des jours et des jours IRL. Parce que c'est long de convertir un pays entier. Hein, tout ce qui est... D'accord. Tout ça, tout ce truc là, c'est de devenir jaune, orange. Je peux pas faire deux pas sans qu'on m'agresse. Allez, on va péter la gueule à une bête. Hein. Alors, un monstre, je peux le tuer. Et gagner un truc. Ou je peux perdre. Ou je peux carrément mourir. C'est un quoi? Un sanglier? Ah, il est mort, quoi. Parce que je vais bientôt passer à la langue anglaise. La langue de ma course va devenir la langue anglaise. Allez. Voilà. Ah, je suis con, faut que j'aille dans ma cour. Que j'aille là, et que j'aille là, et que je dise... Comment on fait pour changer la langue de sa cour? Parce que je parle la langue anglaise. Hein. Comment on fait pour changer la langue de sa cour sans apprendre la langue d'une cour qui existe déjà? Le problème, c'est que oui, je pourrais passer en langue arabe, quoi. Mais non. Non, faut que je trouve... S'il n'y a pas quelqu'un qui parle la langue anglaise... Merde! Putain d'arabe de merde! Mais chier! Là, oui, j'ai nordique, mais bon. Je peux apprendre le britannique, mais c'est pas l'anglais, ça, c'est le britannique. Ah, je peux apprendre cette langue. Ou la langue tibétaine. Putain, mais il parle arabe jusque là-bas, quoi. Quel enfer! Non, mais c'est pas grave, faut juste que je réussisse à. Parce que là, quand je clique sur Nordique, oui, voilà, langue, et non, faut que je réussisse à trouver. Là, je peux la réformer. Vous voyez pourquoi je mets pas égalité? Ah oui, c'est à cause de la. C'est à cause de. J'arrive pas à trouver mes mots. Religion. C'est drôle, hein, c'est le mot que j'arrive le moins bien à sortir. Ça me fait rire. Voilà.
C'est rigolo. Oui, non, après, non, c'est ça que je vois. Déclarer des guerres. Ah, je peux conquérir l'Islande, mais non. Non, l'Islande m'intéresse parce que c'est la Norvège. Hein. Norvège, Suède, Finlande. Hein. N'oubliez jamais que c'est comme ça. C'est vrai, bon, là, t'as de la merde. Mais n'oubliez jamais. Ne faites pas la même erreur que moi. De toute façon, la Scandinavie, c'est une bite, c'est une bite avec deux glands, hein, cette forme, là t'as les couilles, puis là t'as la verge, et puis là t'as les... Je suis fatigué, mentalement, à l'aide. Et voilà. Chasser, non, ça, je vois plus. D'accord, bon. Bon. Ah merde, j'étais sur pause. Ah, parce qu'il y a ça qui m'intéresse, parce que paf, ça fait un lieu 5 pour les connards en moins. T'as d'ailleurs en termes de lieu 5 à sa tru. Que j'aille là. Chiant. C'est quoi cette notification? Des gens qui me répondent sur TikTok. Ah, et qui c'est qui m'insulte? Alors les gens qui comprennent pas les emojis, voilà. On continue. Donc, membre de la famille, je m'en fous. Guerre, oui. Oui, guerre, oui. Oh, guerre. C'est la guerre. Regardez à quel point je vais faire beaucoup de pognon d'un coup. Non, ça fait 300, 300 boules. Hein. Non. Putain de merde. Comment ça? Ah non, ah, ça fait 30. Hein. Ok. Oui, 1000, ça fait 10. Okay. Bon, c'est pas si ouf que ça. Après, ce qui serait vraiment ouf, c'est genre. Oh putain! Ah oui, du coup, je vais pouvoir rencontrer des gens de ma culture un peu partout. Et ça, c'est cool. Mais attends, je peux pas usurper l'Angleterre, du coup, maintenant? Parce que c'est son titre principal. Mais ça, je peux pas attaquer? C'est un, c'est un de mes prisonniers? Oh, c'est tellement dommage. Voilà. Donc ça, je peux pas attaquer. Je peux attaquer. Et ça, je peux attaquer aussi. Ouais, je ferai une aventure vague, évidemment. Cool, quoi. Voilà. Et je vais faire tous mes hommes là.
Et c'est parti pour le pétage de gueule. On va lui péter la gueule. Hop là. Non, 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 tu fuis pas, tu fuis pas. Tac, pétage de gueule. Hop. Allez, hop là. Et du coup, ça donne que 5. Oui, bon. 500, ça donne 5. C'est pas ouf, hein, du coup. Je m'attendais à plus. Mais du coup, oui, si ma cour, elle agit comme ça, tac, 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 je la mets à 1 milieu. Paf. La langue, oui, c'est la langue anglaise, mais je ne peux pas. Événement de cours. Paf, tac. J'ai débloqué quoi de plus. On met une bannière. Ça, je m'en fous. Allez, hop. Into, ça, je m'en branle. Into, envoie la guerre. Ah, oh, casse les couilles. Paf, paf, paf. D'accord, une petite paf, paf, paf. Hop. Tac, tac. Voilà. Ouais, tac. Tac. Hop. Parfait, ça je m'en fous. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Ah bon, on commence à... Ah oui, je suis une légende vivante carrément. Et du coup, ça veut dire que ouais. Ouais, ça c'est sympa. Ça c'est sympa, ça c'est sympa. Ah, c'est mon vassal déjà. Bon. Non, je vais m'attaquer à l'Irlande après avoir fini à ces gars-là. Tac. Hop, c'est fait, tac, tac. Titre pas récupéré, non, c'est bon. Je vais vérifier un truc. Est-ce que je drop? Okay, aucune image de drop, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Ah, je croyais avoir reçu une notification Discord, ok, c'est bon. Hop, ça, du coup, je vais l'accorder à un random. Voyons l'état du mandat. Ouais. C'est, le monde est très chaotique. L'Empire byzantin commence à se collapser.
Je trouve ça. Putain, en fait, le royaume du Denlo, c'est le seul royaume un peu stable, j'ai l'impression. Regardez l'Italie. L'Italie, c'est le royaume de la Sardaigne et de la Corse, mais il n'y a pas la Sardaigne dedans. C'est quoi ce bordel? C'est le royaume de Corse qui contrôle l'Italie, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et le pape dans tout ça, ben, le pape il fait rien parce que le pape il pue la merde. Puis la France, sa capitale, c'est quoi? Tonnerre! J'ai jamais entendu parler de cette ville. Y a vraiment une ville qui s'appelle Tonnerre en France? Ben, j'imagine que c'est son vieux nom. Non, ben, attendez. Je refuse que ça existe. C'est une commune qui existe vraiment. En 2015, il y avait 4700 personnes qui habitaient. Mais pourquoi c'est la capitale de la France? Bordel, pourquoi? Mais en plus, il l'a à Paris. Le roi de France, il a le comté de Paris, donc enfin il a la ville de France, donc il a Paris. Mais il veut pas mettre sa capitale à Paris, il la met dans une ville de merde. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je suis confus. Je suis confus. La confusion, c'est Renardo se frappe dans sa confusion, c'est super efficace quoi. Bon. Allez. Ça me fait juste une petite baisse d'opinion générale. Ah, hop, on lui pète la gueule. Alors non, par contre, et en plus c'est Pays de Galles. Donc Royaume d'Angleterre, rendre principal. Non, c'est bon. Alors. Ouais, bien sûr. Donc, on va organiser un banquet. Merde. Putain! Là, il reste juste ce petit comté dépassé de Rennes à grosse merde. Et ça me fait plaisir.
Par contre, du coup, il n'y a pas les Normands, c'est toujours la Neustrie. Ah, mon héritier est plus marié? Putain, mon héritier, il a 47 ans, ça veut rien dire. Ah, tu dois te marier à elle, hein. Voilà. Faites-nous des gosses. Donc, je peux déjà créer l'Empire de Grande-Bretagne et je vais m'y atteler le plus vite possible. D'abord, il me faut 800 balles. J'ai déjà parlé des problèmes de pognon. Quel enfer. Putain, mais j'ai 3 Excalibur, c'est quoi ce bordel? J'ai 3 Excalibur. Bordel de merde. Genre, on m'explique le bordel, c'est. Il y a un problème à un moment. Gardien des signes. Antiquaire. Aubonnier. Échanson. Le bouffon. Pas de poète. Le garde du corps. Et B. Un garde du corps. Mon champion personnel. Mon bourreau. D'ailleurs, mes prisonniers. Mes prisonniers. Et du coup, j'imagine qu'il n'y a aucune cour qui parle anglais, évidemment. Oh putain, si. Voilà. D'ailleurs, hop. Pas que j'oublie de faire ça. Aussi, commencer à convertir les comtés. Quoique. D'ailleurs, juste pour savoir, en termes de développement, c'est combien? C'est 9. Là, c'est 10. Oui, non, je vais faire de. Faire de Londres ma capitale. Ça c'est chiant hein, que tu peux pas déplacer ta capitale du pays plusieurs fois par vie. C'est pas grave, j'ai 60 piges, je vais bientôt crever. Du coup, je vais pouvoir la culture ici. Oh putain! Arrêtez à force, je vais juste devenir pauvre. J'ai plus de pognon. Je suis juste pauvre, la pauvreté m'a tué quoi. Ah. Voilà. Ça c'est sympa. Bon, c'est pas beaucoup en fait. Ça je m'en fous. Ah, mais j'ai pas. J'ai pas d'argent, putain. Faut que je reforge des trucs alors que j'ai pas d'argent. Mon armure, oui, mon armure aussi. Pourquoi je la reforge? Les insignes. J'ai envie de crever, par pitié, donnez-moi du pognon, quel enfer. Et le problème c'est que je suis ni catholique, ni... Non, le problème c'est que je suis pas catholique en fait. J'abandonne à cette rue, je deviens catholique. Ouais, je vais devenir catholique. Qui c'est qui n'acceptera pas? Quelques casse-couilles. Je me dois de devenir catholique. C'est pour le bien de ma santé mentale. Et comme ça, mon pote, le pape, au lieu de le piller, il va me donner du pognon. D'ailleurs, tu peux me donner du pognon? Il n'a pas assez de pognon, évidemment.
ces scandales. Le pape pauvre, le roi pas peu à 100. Genre, il y a des pays, genre il y a l'Angleterre, donc mon pays, qui est un peu bien formé. Bon, il y a la Suède qui s'en sort pas trop mal. Bon, t'as la Francie déjà, ça se voit que ça galère un peu. Et puis t'as ça. T'as ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est? Il peut pas y avoir un leader qui unifie tout ça? Non, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi le jeu. Puis aussi, bon, je demande rien, mais c'est quoi tout ça aussi? Est-ce que c'est aussi utile d'avoir autant de pays indépendants? Il peut pas y avoir un guerrier qui arrive et qui met tout le monde ensemble et qui vient de me taper un peu, parce que là j'ai aucune résistance quoi. Quand tu te bats contre des pégus, c'est sûr que c'est pas compliqué de. C'est sûr que c'est pas compliqué quoi. Mais du coup, faut que je reconvertisse ce que j'avais déjà converti. Et du coup, ça va parce que. Tout est déjà catholique de mon côté, donc c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que c'est un peu plus facile. La facilité n'est pas un mot autorisé ici. Je joue en difficile, si on regarde les règles. Je joue en très difficile. J'ai quelques trucs qui rendent le jeu un peu plus facile. Je crois que c'est tu peux avoir plus de vassaux, t'as plus de limites de domaine, ce genre de conneries. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose de si intéressant que ça. Mais faut que j'arrête de chasser parce que ça me sert à rien de chasser. Enfin, ça me sert plus à rien, je suis à moitié mort, j'ai déjà une légende vivante. Il faut que j'arrête, hein. Pendant qu'il y a mes potes, les vassaux qui se font la guerre, hein. Merde, c'est surprenant. Vais continuer par là. Ouais, non, 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 non. Je vais pas continuer par là. Je vais augmenter le développement de Londres, qui ça va être ma capitale. Et je vais peut-être commencer aussi à build des trucs parce que je ne fabriquais pas grand-chose parce que je ne construisais pas grand-chose parce que j'avais pas de pognon, mais bon. Ouais. Le pognon appelle le pognon. J'entends des bruits chelous, je veux pas savoir ce que c'est. Ça non. Ça accompli. Connaissance du corps, j'ai déjà. Pédagogie, j'écoute pupille. Pupille, pupille. Oh, je sais plus. D'enfant. Plus d'enfant. J'ai une femme et elle est moche. Allez, c'est un squelette. C'est ce que. Bruit de squelette Minecraft, be like. Regarde mes derniers enfants, c'est n'importe quoi. Oh oui, je peux consacrer, oui, 502. Et c'est paragon de vertu, bon, ça en fout un peu. Mais oui. Le consacré, oh là là. Renardo le consacré. Peut-être dû attendre mon prochain en fait. Bon, allez, c'est parti, on va commencer à construire des trucs. Oh, des manoirs. Oh là là, tu peux construire des manoirs dans cette propriété. C'est le meilleur truc. Les manoirs, c'est trop bien, ça te donne plein de pognon. J'adore. Ça, je m'en fous un peu, là, pas vous mentir. Merde, j'ai un mec qui est mort, ça m'a enlevé à plein de trucs. Hop, voilà. Ensuite, là, tac, gardien des cygnes, grand écuyer, maître de chasse, poète de la cour, tout pour rien. Hein. Et j'ai un bobo. Ah, je peux accorder l'audience. Allez, du pognon. Notre noblesse va être renarde. Ah, mais j'en peux plus. Arrêtez de me répondre à mes TikTok là. Qu'est-ce qui se passe là?
c'est quelqu'un qui parle, qui me parle sur un genre. Ce que j'aime bien sur TikTok, c'est que je fais des commentaires, c'est des blagues. Et il y a des gens qui les prennent au premier degré, qui me répondent des trucs que j'en ai absolument rien à foutre. Toujours pas de pognon, hein, mais bon, à force, je crois que. Oh, mais attends. Putain. J'avais totalement oublié ça. Qu'est-ce qui se passe, ça? Oh, j'en ai rien à foutre. Hein. Puis, maintenant que je suis catholique, tu peux pas me passer un peu de pognon? Mais comment ça? Mais comment ça, il est pauvre? Pourquoi t'es pauvre, connard? C'est dingue, ça, quand même. Ouais, hop là. Donnez-moi tout votre pognon. Merci, là, voilà. Je peux fonder un ordre sacré à Papworth. Et ça tombe bien parce qu'il y a Pape dedans. C'est. Pape, c'est. Non, j'ai. Là. Voilà. Fonder un ordre sacré. Voilà. J'ai plus de pognon. Enfin, j'ai plus de pognon. C'est relatif. Allez, je peux pas. Je vais construire une ferme. C'est pas ça. Construire. Quelqu'un qui donne du pognon ici, donc je prends. Je vais construire une ferme. J'ai besoin de pognon. Je sais pas si j'ai déjà dit que j'avais besoin de pognon. Insupportable. Mais j'ai besoin de pognon. C'est dingue. J'en peux plus, j'en ai marre. Donnez-moi du pognon, quoi. Je peux déclarer la guerre à qui? Bretagne, Islande, Francie. Francie. Bah, attends. C'est-à-dire que je perds ça. Ah, écoutez ce que dit XX ah. Ronaldo. Merci pour le solo. Important. C'est très gentil de ta part. Donc, je disais, t'es où, toi? Tu veux dire que je perds ça, je perds quoi d'autre? Ok, je perds ce petit truc, mais par contre, j'ai... ah oui, non, mais il est catholique gallois, oui, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout, quoi. Ah plutôt du pognon, je dirais, en fait. Ouais, plutôt du pognon. Je m'en fous, moi, ce que j'ai besoin, c'est de pognon. Ouais, ils finiront pas se fatiguer, hein, je m'en fous. J'ai besoin de pognon. Ah, par contre, il y a déjà un royaume d'Irlande. Ah, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa, il y a un royaume d'Irlande. Quand je serai un empire, je l'absorberai. Non, je prendrai que le nord de l'Irlande. Comme ça, je ferai quelque chose de très, très, très précis historiquement. Lol. Comment ça je vais perdre le duel? Ah oui, non, j'avais oublié que j'étais très vieux. C'est oui, quand t'as 72 ans, c'est un peu plus dur. Surtout contre mon fils qui a passé un peu toute sa vie à se battre. Alors, tiens, du pognon. Je te donne du pognon. Je ne suis plus assez fort pour... je ne suis plus assez fort. J'abandonne. Je dépasse les armes. C'est... Tu vas pas attaquer ton vieux père quand même. Du coup, j'ai plus de pognon, ça fait chier. Par contre, ma cour, elle est en train de dégringoler en magnificence. C'est quoi ce bordel? Ah non, c'est bon, elle est en train de remonter. Hop, tac. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ehi, mi dice il dottor Sponormel.
disputatron. Mela rebum instructora ut tale expendit quod prestam quod. Moment, impens et meis significum ser iu. Ah, es semo de coque mediocre. Mela tot perfecte. Ah non, mais c'est mon petit-fils. Ah, bah... Ouais, vous êtes mort, quoi. Bah oui, bande de connards. C'est si je garde mes bouteilles précieusement, c'est parce qu'elles sont empoisonnées, parce que je suis un tortionnaire. C'est vrai, parce que ça, que tu dises une phrase ou l'autre, en fait, ça fait qu'il meurt ou qu'il meurt pas. C'est, je trouve ça très rigolo. Bon, bah du coup, j'ai bien un nouvel échanson. Et un architecte royal aussi. Eh ben... Toujours pas de poète. Toujours pas de poète. Je crois que ça va être le running gag de cette partie, c'est genre toujours pas de poète, quoi. Tout ce qu'il faut, sauf les poètes. On est d'accord, la capitale de Jure. Et voilà, c'est la capitale de Jure, quoi. Et pourtant, je peux pas la mettre... Ah, mais attends. Essex. Si, si, je l'ai. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Oui, non, mais c'est pas celle que j'utilise, donc je m'en fous. Et je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Putain. Ah, putain, sympa, mon fils. Puis pas la merde. Ça, c'est un bon fils. Putain, on dirait que je parle à un chien. Ouh, oui, ça, c'est un bon fils. Ah. Pognon. Mais attendez, 800 pognons. On reconnaît ça, 800 pognons. C'est tout simplement la Grande-Bretagne. Hein. Et oui. Et oui, c'est qui le roi? Eh ben, c'est moi. C'est moi le roi. L'Engong. Le roi, l'empereur. Je suis l'empereur Renardo. Il n'y a même pas eu de petit jingle, ouais, bravo, vous êtes un empereur ou quoi. Il n'y a même pas un texte qui se dit, ouais, t'es un empereur. Puis ressemble à une cour normale. C'est la langue anglaise. Hein. Il y a toujours la moitié du monde qui parle arabe ou... toujours la moitié du monde qui parle arabe, je comprends pas. Scandale. Ouais, donnez-moi du pognon. Je vais arrêter de chasser. Ça ne sert à rien. Je suis même pas stressé. Bon, toi là. Poser la vassalité. Ah, il est en guerre. Puis, de toute façon, je pense pas qu'il accepte parce que c'est un haut roi. Ah, un haut roi. Ça me rappelle Skyrim. Et j'adore les pop-up qui arrivent. Et en fait, bon, j'ai même pas le temps de. Bon, je peux déclarer la guerre à qui? Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Des titres peuvent être créés. Oh, c'est des duchés. Je vais pas créer des duchés. La France, oui, non, c'est toujours le même. L'Irlande. Non. Islande. La Bretagne, tiens. Ah, je peux faire des guerres saintes. Ah bah oui, je peux faire des guerres saintes maintenant. Oh putain, je vais pouvoir... Oh, tu penses que c'est possible? Oh, si c'est possible. Oh, que si c'est possible. Alors déjà, j'ai commencé à grandir un peu mon armée. Avec des bondis et des bondis. Voilà. J'en rajoute un peu. Putain, en plus, ils sont là. Mais ça va être très smooth tout ça, là. À me mettre là, à dire vers le monde. Voilà, hop. 207 000, hein. Oh là, la puissance des vikings, par contre, c'est scandaleux. Hein. La puissance des vikings, c'est n'importe quoi. À quel point ils font des dégâts, ces gens. On était à 2000 contre 7000 et on a gagné easy, quoi. Ils étaient plus que 3 fois plus.
Je trouve ça scandaleux et à la fois scandaleux, mais aussi du pur génie. Eh, mais attends, je peux en faire appliquer ça. Ah, oh, un pote, cool. Ah. Et je vais direct prendre leur capitale. Et en plus, comme je suis moins nombreux, pour eux, c'est rien en fait. Ils se disent oui, ils m'attaquent, mais ils sont moins nombreux, donc ils vont me perdre. Que nenni, je te pète la gueule. Voilà. Hop. Accordé à un noble de culture renarde. Voilà. Accordé les titres. Tac, 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 et tac. Voilà. Parfait. Et est-ce que je suis assez proche pour faire une... Oh, je suis assez... Ah non, je suis pas encore assez proche. Faudrait que j'attaque là. Je suis pas assez proche. C'est, en fait, commencer à conquérir l'Espagne, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce qui se passe en Espagne. Ouais, je m'en fous, voilà. Basiquement. Hop. Je peux commencer à faire des vassalisations, ça c'est sympa. Et j'aime pas. J'aime bien vassaliser. D'ailleurs, faut pas que j'oublie. On va voir des cultures. Ah oui, non. Pas que je fasse parce que. Truc plus important. Hop, proposer la vassalité. Ah, c'est pas grave, mais ça fait toujours du territoire en plus. Ça m'a coûté du pognon de faire ça, je comprends pas pourquoi. Alors. Voilà, plus de pognon. Un jour ou l'autre, je pense. Bon, alors, le duché d'Aquitaine. Non, ça me fait rire le fait qu'il y a un duché d'Aquitaine et. Parce que c'est déjà fou tard. Enfin tard, non, c'est juste que je commence à avoir faim en fait. Donc hop. Quitter la partie. Ça sauvegarde. Voilà. Ah mais du coup ça veut dire que. Attends. Est-ce que ça va marcher? Non. Je sais pas comment on fait pour que ça marche. C'est un écran noir là, je sais. Ouais, non, bon, c'est dommage. Bon, alors non, c'est tac. Bon, ça. Ah putain, il faut que je mette l'écran de c'est fini, j'ai oublié d'en mettre un. Bon, c'était un stream. C'est sérieux là? Donc là, en fait, j'avais un stream où il y avait 0 personne pendant tout le temps, et pile quand je commence à finir le stream, là, il y a 5 personnes. C'est quoi ce bordel? Non, mais là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Pas sérieux, mais pas sérieux à une seule seconde. Je continue pas dans ces conditions. Moi, j'ai dit que j'allais arrêter, donc j'arrête. Voilà. Ouais, je sais, je suis quelqu'un de très, très ferme dans mes convictions. Donc bon, si vous voulez voir les autres streams, bah, faudra follow. Normalement, j'en fais un demain matin, ou demain midi, demain, ou peut-être ce soir, ou peut-être dans l'après-midi. Je sais pas, voilà, je ne touche aucun argent, donc j'ai les horaires que je veux.
Voilà, bon, la fin du stream. La vidéo, de toute façon, elle sera sur YouTube. Au revoir.